One love. Là, on est dans le jardin avec l'équipe. Tu vois, il y a tout à faire. Tout ça, c'est en friche. Ah, nous avons les frérots là. Ah, là, on est en train de bosser. Salut. Sur le. Là, ici, il va y avoir un jardin mandala. Voilà, donc là, on fait le tracé là avec un fil et une bobine. Voilà, ça sera en cercle et il va y avoir plein de choses dedans. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un jardin mandala, il vous suffit de taper sur Google, par exemple, jardin mandala et cliquer sur image. Là, vous verrez, donc là, c'est de l'aloe vera. On a toutes sortes de courge butternut, tournesol, basilic, des tonnes de petites tomates qu'on va séparer. Voilà, et des graines, en veux-tu, en voilà, quoi. Et que du bio, s'il vous plaît. Voilà. Hello. Petite visite. Donc voilà. Alors le voisin de jardin, il a mis 3 tonnes de pommes de terre. Bon, alors, une pompe, là, il y a un puits en dessous. La petite cabane, avec d'autres semis, avec plein de graines encore. Voilà, plein de semis. Ça, c'est une chayotte, donc on va la planter. Voilà, et carottes, fraises, cerisiers, pic de barbarie, voilà. Et là, comme vous pouvez le constater, je suis sur la paille. Et voilà quoi, bon, il y avait des herbes aussi hautes que moi de partout là. On a fait un grand désherbage. Alors là, il y aura une culture en arc de cercle. Et là-bas, culture en cercle. Comme je le disais. Jardin mandala. On est un peu plus large, tu vois. Ah, j'en fais un tour, pardon, dada. Je t'en prie. One love. Ben voilà, là on a fini le traçage du cercle, donc on va vous faire un beau crop circle. En fait, c'est un jardin mandala. Je le disais dans la vidéo précédente, si vous ne savez pas ce qu'est un jardin mandala, il vous suffit de chercher sur internet, de cliquer sur image et puis vous tapez jardin mandala. Voilà. Donc là, c'est l'heure de partir. Nous allons ranger les outils. On est venu en équipe. Il y aura là-bas une culture en demi-cercle et ici une culture en cercle. Et ça va être jolie vue de haut. Voilà. One love.